Ouais, de toute façon, tu y connais rien. Oui. Ouais, de toute façon, tes vidéos, elles sont toutes pourries. Oh, bah, oui. Ouais, de toute façon, c'est pas professionnel. Ouais, de toute façon, t'es mauvais. Oui. Ouais, bah, de toute façon, il y en a plein qui font mieux. Ouais, bah, en plus, ta technique, elle est merdique. Oui. Puis, de toute façon, eh bah, les objets, tu les respectes même pas. C'est que des sacs à pognon pour toi. Now wird's bald! Allons-y. Ah, joie. Oui. Non. Poum, poum, ping. C'est littéralement bon. C'est chiant. Bye. Bonjour, bonsoir à tous! C'est cool, hein? Ouais. Je sais. Aujourd'hui, mesdames et mesdames, nous allons parler d'un canon! Ah! Alors, en réalité, vous emballez pas, ça n'est qu'un canon de réjouissance en calibre 12. Alors je dis de réjouissance parce que c'est ce qu'on voit le plus, mais ça pourrait tout aussi bien être un canon de défense, un canon de chasse, un canon de ce que vous voulez, hein, globalement. J'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'il est germanique, qu'il est d'un modèle assez ancien et qu'il se comporte très exactement comme une pièce d'artillerie. Donc, ah, on ouvre en fait comme ceci, exactement comme une pièce d'artillerie. En fait, c'est une. Comment vous dire? C'est une espèce de culasse pivotante montée sur un axe. Avec tout bonnement un percuteur monté sur un ressort avec une ficelle. Voilà. Pour détonner le bousin. C'est un calibre 12 et aujourd'hui on va tester ça parce que c'est drôle. J'ai pas mon casque. Super. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun, mais moi ça me fait gaulerie. Alors tout ce que j'espère, c'est que sous l'effet du recul, il ne va pas tomber de la table, parce que autant vous dire que moi je ne vais pas m'amuser à rester derrière pour le tenir. Donc on va tirer de la Trap Junior, c'est de la low brass, c'est relativement cool, donc ça devrait lui aller. Alors le problème gigantesque, ça va être le réglage, parce que là je suis quand même un peu haut, j'ai l'impression. Alors comment est-ce que ça se règle ce truc? Donc ça c'est le verrouillage. Faudrait que j'arrive à le poser sur quelque chose. Voilà, tout pile poil. Alors pour la visée, au moins c'est pratique quoi. Tu ouvres, tu regardes dans le canon, tu regardes où ça tire et puis basta. Hein. Voilà. Bon, alors j'espère juste que je ne vais pas truffer partout. J'ai reculé un peu ma caméra en cible. Je suis navré si vous voyez pas grand-chose. Maintenant, bon, tout ce que vous risquez de voir en réalité, bah, c'est du plomb partout. Hein. Soyez honnête. Alors donc. C'est un peu perturbant. Alors, avec précaution, voilà. Ok, the gun is hot. Allons-y. Donc moi, je m'en voudrais pas, je vais me barrer, hein, pour les premiers coups. Alors. Pas moyen de se planquer comme ça. Je suis encore vivant. Ah, il a quand même bien bougé, hein. Il a quand même bien bougé. Question. Bah, je crois que la question elle est vite répondue, comme disait un collègue youtubeur. Comme un vrai. Flip. Pas de signe particulier de surpression, j'ai un petit enclouage, mais rien de méchant. Oh le délire. Oh le délire, ce truc. Alors, cette fois. Flip. Flip. Ok. The gun is hot. Prêt? Ah,
Messieurs les Français, tirez les premiers. Ok, donc déjà ça m'a arraché la moitié de ma cible, c'est cool. Flup. Alors je dois admettre que ça me fait franchement rigoler cette merde. Oh mais c'est excellent quoi. Genre tu as un petit conflit commercial, professionnel, familial, tout. Réponse ? J'ai un canon. Alors, ah tiens, ce qu'on va faire. Ce que l'on va faire, je vais vous prendre avec moi. Et vous allez voir. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai ma petite douille. Je ferme ce gros machin. Je verrouille. Je tire sur cette petite manivelle, on peut dire. Et je la fais passer, vous voyez, sur les deux ergots, là. Qui vont la retenir. Vous voyez, c'est vraiment aussi simple que ça. Allez, je vais vous prendre avec moi et on va regarder. Attention. Timber. Putain. Ah, j'adore. J'adore. J'ai dû être artilleur dans une autre vie. Ah mais c'est à crever de rire ce truc. C'est à crever de rire, sans déconner. Je sais pas si c'est très cher, mais... toi, j'achèterais bien ça, moi. Dernier coup, messieurs, dames. Flup. 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 J'adore flupper. Attention. 3. 2, 1. Mais ce qui est quand même impressionnant, c'est le recul de dingo qu'il y a pour du calibre 12 en fait. Parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais ce truc est super lourd. Enfin, alors ça se porte franchement tout seul. Mais enfin, c'est pas... C'est pas le genre de truc que tu portes easy peasy ravioli tout seul comme un grand. Hein. Bon, évidemment, ça chauffe pas. Non, ça chauffe absolument pas. Même pas un gramme. Oh, c'est incroyablement drôle. J'adore. Putain, propre et net. Bon, bah voilà, on aura vu ce truc-là. Et franchement, ça me fait gaulerie ce machin. Franchement, j'adore. C'est moche, mais j'adore. Non! Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Mangez des légumes et buvez de l'eau. J'ai un canon! Ah! Eh, vous avez vu un peu cette photo de charme?